Ça se voit? Non. Non, jette plus, la cour est pleine. Les jeunes, allez-y, attention le portail, on baisse. Allez. Descendant. Ça va? Bon, ben ça y Bienvenue aux anciens combattants, aux porte-drapeaux. Figurez-vous qu'on a même un drapeau des anciens combattants de 1870. Bon, mais les porte-drapeaux n'ont pas fait la guerre de 1870. Alors, nous sommes rassemblés. Donc, pour le 8 mai 1945, c'est l'armistice, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et 78 ans après, nous nous retrouvons ici, dans cette église d'Azay. Alors, cette messe, c'est la messe de Jésus-Christ, bien entendu, mais elle se ressent de cet anniversaire, puisque, notamment, il y aura deux chants, un qui sera chanté au moment de l'offertoire, « Nuit et brouillard », qui va nous rappeler la Deuxième Guerre mondiale, et qui va nous rappeler surtout la Shoah, ce qui a eu le plus atroce dans la Deuxième Guerre mondiale. Seigneur, en pitié de nous.
Mais qui donc est le temps
épingles tremblant dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Restons donc en silence pendant quelques instants. Ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction et proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Thank you.
Ça, c'est un engin. Tout le monde n'a pas un truc comme ça. Hein. Ah non, il va bien. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la cérémonie du 8 mai. Nous allons commencer par la montée des couleurs. Bonsoir, l'entendement. Garde ! Gardez-vous ! Attention pour les couleurs. Renvoyez ! Lecture du message de la ministre secrétaire d'État chargée des anciens combattants et du devoir de mémoire par Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Mirales, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, à l'occasion du 8 mai 2023. 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les alliés réunis à Berlin, c'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout le pays, révélant à la fois la preuve de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au sud,
Les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos Outre-mer se distinguent dans les trois océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armées a basculé, même si la lutte sera encore longue. L'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessin de la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. À la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra en tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par famille entière dans des convois vers l'Est d'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté, mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945, offrit la plus grande victoire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Nous allons remettre l'insigne de porte-drapeau à Monsieur Jacques Guénier. Jacques, ouvrez le banc. Oui. On ouvre le banc. Oui. Vous pouvez rester là-bas. Ouvrez le banc. Au nom du président national de l'Union nationale des combattants, j'ai l'honneur, Monsieur Jacques Guénier, de vous remettre l'insigne de 10 ans de porte-drapeau au sein de notre section UNC d'Azay-sur-Cher. Merci. On va se fermer là parce que... Tu la mets où tu veux. Oui, parce que... Ça ne fera pas de bien de toute façon. Merci. Très bien. Merci Jacques. Oui. Ferme le banc. Nous allons procéder au dépôt de gerbes par déjà la première, celle de la
la mairie avec le conseil municipal jeune et après celle de la section UNC. Garde. Seconde encore. Marseillaise. À présent terminé, la municipalité et la section des anciens combattants d'Arzay-sur-Cher vous remercient de votre présence. Oui, rendez-vous bien sûr à la salle Renault. Oui, pour le discours et le main d'honneur, parce qu'allez, ça y est, hein. On peut en venir dessous. Merci. On reprend les places. Donc le 8 mai est un jour férié consacré donc aux morts pour la France de 1945. C'est important pour nous d'être présents pour cette célébration. La municipalité accompagne la section des anciens combattants dans cette affaire, et ainsi que, bien sûr, tous nos élus qui sont présents, les jeunes élus
ici présents aussi. Les sapeurs-pompiers, ils nous font le plaisir chaque année d'être parmi nous. L'harmonie de la fuite, bien évidemment. Et vous, mesdames et messieurs, qui chaque année accompagnez aussi cette cérémonie avec beaucoup de fidélité. Donc, comme je le disais, la municipalité accompagne aussi l'UNC pour soutenir le devoir de mémoire, qui est aussi un élément important. Parce que faut pas croire que la guerre s'est malheureusement trop éloignée. Elle est encore pas très loin de nos frontières. Et malgré tout, ce qui nous importe, nous, c'est de célébrer la paix et de célébrer cette volonté, notamment pour que nos jeunes puissent vivre tranquillement, en paix. Et c'est un point important. Donc la section UNC d'Azay-sur-Cher est toujours vigoureuse. Enfin, essaie de l'être, en tout cas. Hein. Et donc, je vais passer la parole à Hubert Viau, qui a donc un diplôme à remettre pour cette situation d'aujourd'hui. Hubert. Merci. Oui, nous allons continuer après la remise de l'insigne de porte-drapeau, Monsieur Jacques Guigné. J'ai l'honneur aussi de remettre le diplôme d'honneur de porte-drapeau signé par la secrétaire d'État, Patricia Morales. Bon, moi, en ce qui me concerne, c'est bon. Bon, le passage du témoin pour vous annoncer l'intervention de l'harmonie de la fuite pour deux morceaux, le jour le plus long et la Marseillaise. Et comme d'habitude, ils vont nous accompagner ça du bout des doigts et des lèvres. Thank you.
C'est sûr, l'amitié. L'amitié est un peu la force qui leur a permis de tenir pendant de longs mois loin de leur pays. Ils avaient tout juste 20 ans quand un matin on leur a dit « Allez les gars, rassemblement, il faut partir pour l'Algérie ». Dans le bateau qui les emmène, loin des parents, loin des fiancés, les petits soldats cachaient leur peine dans un grand élan d'amitié. L'amitié, c'est un peu la force qui leur a permis de tenir pendant de longs mois, loin de leur pays. Alger, Oran, Boussada, Kabylie, Aurès, El Baya, cachés partout, les félagas multipliaient leurs embuscades. Ce n'était plus un jeu, la guerre, c'était bien la réalité. Pour les soldats dans cette galère, le réconfort, c'était l'amitié. L'amitié, c'est un peu la force qui leur a permis de tenir pendant de longs armes en main, la peur au ventre, quand ils partaient pour une mission. Tous les petits gars dans la tourmente rêvaient d'un mot « libération ». Bien sûr, il y avait des moments tristes où le cafard était présent, mais il y avait aussi l'artiste
qui amusait le régiment. L'amitié, c'est un peu la force qui rame l'amie. De tenir pendant le longtemps loin de leur pays. Aujourd'hui, dans les comités, tous ces anciens de l'Algérie sont heureux de se retrouver pour une journée entre amis. Ils aiment bien faire la fête, reparler de leurs souvenirs et puis pousser la chansonnette tous ensemble pour le plaisir. L'amitié, c'est un peu la force qui leur a permis de tenir pendant le long mois loin de leur pays. Toutes les années dans les villages, au monument communal, une gerbe est déposée à la mémoire des copains tombés. Les années passent une à une, mais les souvenirs sont là. Ne gardez pas trop de rancune, l'amitié sert à oublier. L'amitié, c'est une lumière qui jamais s'éteint. L'amitié, gardez-la toujours, on en a besoin. L'amitié entre vous, les gars, elle est bien ancrée. Aujourd'hui, tout comme là-bas, vous la partagez. Et n'oubliez pas, c'est sur téléphone. Je passe un truc là, ça. Et demain, vous êtes dans la NR, mais attention, hein. Non, mais. C'est non, sur place de route.